Je suis Karine Poirier, enseignante en adaptation scolaire au secondaire. Donc, j'ai une clientèle d'élèves de niveau secondaire 1, mais avec des difficultés d'apprentissage. Donc, bonjour, c'est Céline Vaupérère. J'enseigne en adaptation scolaire aussi. Niveau secondaire 2, dans le fond, avec des élèves en difficulté d'apprentissage aussi. Donc, on commence le réseau littéraire de trois albums. Nous avons La leçon de Michael Escoffier, Yakuba de Dieu et Fidèle éléphant de Yukio Tsukia. Pour ce qui est du choix des albums, là, ici, évidemment, on a fait le choix de ces trois albums-là parce qu'on voulait vraiment avoir des personnages qui font des choix un peu plus difficiles ou qui vont venir chercher leur valeur. Chacune de nos lectures sont graduées, donc en niveau de difficulté. La leçon, le choix est un peu plus simple, la lecture est plus facile aussi. Yakuba, on augmente en niveau de difficulté. Et dans Fidèles éléphants, on est là encore plus au niveau de la difficulté. Fidèles éléphants, c'est une histoire qui est venue un peu plus toucher les élèves, là, étant donné le fait que c'est une histoire vécue, donc c'est basé sur des faits. Donc, qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, au zoo de Ueno à Tokyo. Ce livre raconte l'histoire triste et véridique de ce qui s'est passé quand ce fut au tour des éléphants de mourir. Donc, ça fait en sorte qu'il y a certains élèves qui l'ont un peu plus aimé, puis d'autres qui l'ont moins aimé. Je pense pas que c'est nécessairement qu'ils l'ont moins aimé au niveau de l'appréciation, mais c'est davantage parce que ça vient chercher des émotions. Ce jardin zoologique-là, il existait en 1943, il existe toujours, on peut toujours le visiter. En 1943, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les trois lectures, ce sont trois lectures interactives, c'est-à-dire que donc l'enseignant fait la lecture pour les élèves. Et en cours de lecture, on va poser différentes questions, soit des questions qui sont dans le document de l'élève. Que penses-tu du choix des gardiens de laisser les éléphants mourir de faim? Soit des questions pour travailler leur compréhension ou leur interprétation de certains passages. On va travailler le vocabulaire aussi. Non loin de cette place animée s'élève un monument funéraire que peu de gens remarquent. Avec les informations qu'on a lues après, qu'est-ce que ça signifie funéraire selon toi, Caroline? Ben que quand quelqu'un est mort, on va l'enterrer, on va écrire son nom ou quelque chose de ça. Oui. Donc ça permet de travailler différentes stratégies de lecture pour s'assurer de leur compréhension puis pour les faire réfléchir aussi sur différents éléments de l'histoire. Donc, évidemment, la lecture interactive, ça permet à tout le groupe d'avancer en même temps dans la lecture, d'avoir des discussions en grand groupe aussi par rapport à la lecture. Donc, peu importe les difficultés des élèves, on peut venir les rejoindre avec la lecture interactive. Donc ici, on parle d'une pluie mortelle. Est-ce que c'est au sens propre ou c'est une image, hein, au sens figuré, c'est une image. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette phrase-là qu'on utilise de façon imagée? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de guerre. Qu'il y a beaucoup de guerre. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une pluie? Qu'est-ce qui tombe du ciel et bien? Est-ce que c'est de l'eau? Non. Non, qu'est-ce que c'est? Les balles. Les balles, les bombes, oui. On peut aussi ajouter des stratégies de lecture qu'on a déjà enseignées ou qu'on peut reprendre à travers la lecture des albums, justement. Il est facile de le mettre en application à travers la lecture interactive.